plan multisectoriel d'urgence, la CTM dubitative. Le syndicat des employés est sceptique par rapport au plan multisectoriel d'urgence, le plan de relance économique suggéré par l'État malgache à l'issue de la réunion au sommet du 17 juin dernier à Yavlou. Le secrétaire général de la Confédération des travailleurs de Madagascar, CTM, Rémi-Henri Boutoudi, estime que les termes du plan manquent de consistance et ne répondent pas vraiment aux attentes. En réaction, le syndicat exige davantage d'assurance de la part de l'État dans la mise en place de ce plan, notamment en matière de prévoyance sociale. Le syndicat recommande entre autres la mise en place d'une aide d'urgence afin de permettre aux travailleurs de garder leurs emplois et de percevoir régulièrement leur salaire. Rémi-Henri Boutoudi est également dubitatif quant à la réintégration des employés licenciés ou en chômage technique ou encore envoyés en congé forcé. Le syndicat suggère la mise en place d'un programme de réinsertion professionnelle afin d'éviter que des milliers de travailleurs actuellement en difficulté ne versent dans la précarité.